soir, c'est Alcaline en best-of. Et avant de retrouver l'éditeur, Gaëtan Roussel et Rachida Brakni, des nouvelles de Madonna. Avis aux fans, le CD-DVD de son Rebel Art Tour est sorti il y a quelques semaines. Tenue ultra sexy, travestissements en tout genre et détails provoques sont évidemment au menu. Le show de 2 heures retrace la tournée pharaonique de 82 concerts qui a mené la queen de la pop aux quatre coins du monde et dans 55 villes. La vidéo compte aussi son lot de bonus et de raretés, dont Tears of Clown, concert intime que la Madonna a livré à ses fans australiens après 23 ans d'absence, déguisé en clown. Drôle de matériel girl. Vous allez entrer dans l'univers imprévisible des Franglais. La recette est simple et redoutablement efficace. Une troupe plutôt enjouée s'amuse à traduire dans notre belle langue française les plus grands standards pop. C'est clair, ça pour tout le monde, on fait des chansons traduites de l'anglais au français. Je suis très enthousiaste. Les Franglaises nous laissent ainsi entrevoir tous ces tubes sous un jour inédit et souvent, il est vrai, plutôt amusant. Réveille-moi avant que tu partes, ne laisse pas pendouiller comme un yo-yo. Les Franglaises, c'est à Bobino à Paris et jusqu'au 3 février 2018. Profitons-en tous ensemble. Le DJ français le mieux payé au monde peut garder son sourire éclatant car oui, la belle aventure continue pour David Guetta qui a annoncé il y a peu son concert à Paris-Bercy. Enfin, à l'Accor Hotel Arena le 19 janvier prochain. Je sens que this night is gonna be a good good night. Bon, eh, sinon, David, là-haut, on en est où, question album? Parce que le dernier date quand même de 2014. Allez, on attend tes nouvelles. L'image ne trompe pas, cette artiste va de l'avant. Elle, c'est la comédienne Rachida Brakni, nouvelle partenaire musicale du Louise Attaque Gaëtan Roussel. L'éditeur, Madame Monsieur en français, c'est le nom de ce nouveau duo de la chanson. C'est comme si c'était hier, comme si l'endroit faisait l'envers. Leur premier album, Accidentally Yours, est sorti au printemps dernier et le duo est actuellement en tournée. Une invitation au voyage qui va à l'encontre des idées bas de plafond. Rachida avait envie de retourner à la musique et de chanter de nouveau et avait cette envie que l'arabe, le français et l'anglais se mélangent. Donc voilà, on est parti sur cette idée-là. Mais l'impulsion, l'ouverture de portes, de fenêtres, c'est ça. Point de départ de ce disque, le premier film mis en scène par Rachida Brakni qui cherche alors une musique pour le générique. Convaincu, les deux alter ego pousseront le bouchon un peu plus loin, un projet qui s'est décliné aussi en bande dessinée. J'aime bien me dire que chaque entité a sa forme propre, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait lire cette BD sans écouter l'album, au même titre que ceux qui auront vu mon film n'écouteront peut-être pas l'album, ou ceux qui écouteront l'album n'auront pas vu le film. C'est libre à chacun, voilà, de prendre le chemin qu'il a envie de prendre. Un album pétri de liberté artistique, véritable ode à la différence et à la curiosité. Un disque inclassable, diront les journalistes autorisés. En fait, il faudrait le mettre dans tous les rayons. Chanson française, pop, rock. On se quitte avec Harry Belafonte et le titre Day O. À demain, mes lapineaux. Mr. Tallyman, tally me banana.